Si vous avez vu mon épisode de mardi où je vous ai présenté ce nouveau trépied carbone de la marque AF Concept, le BA225, voilà, ça c'était l'épisode de mardi, je vous ai dit que ce trépied, j'allais vous le faire gagner dans un concours et que j'allais organiser une petite vidéo courte pour lancer les modalités. Ben c'est aujourd'hui, maintenant, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pour lancer le concours. Mais avant, je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toujours l'actualité de la chaîne, que ce soit le concours ou tout ce qui va se passer durant l'été ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, la petite cloche, voilà, pensez-y, merci. Donc on en revient à notre concours avec un prix, voilà, qui est sympathique. Je pense que c'est un petit trépied carbone qui peut être bien utile à pas mal de monde si vous n'en avez pas. Moi, en tous les cas, je vous disais, la dernière fois, j'utilise souvent et j'en suis bien content. Donc voilà, donc ce concours-là. Déjà, le thème. Le thème, ça va être jeu d'ombre. Vous l'interprétez comme vous voulez. Ça peut être du paysage, ça peut être de la composition, ça peut être du portrait, ça peut être ce que vous voulez. Par contre, il faut qu'il y ait du jeu d'ombre. Sinon, c'est pas la peine. Si vous faites un bête paysage avec un arbre qui se reflète au loin, voilà, il faut qu'il y ait un sujet. N'oubliez pas que c'est un concours. Donc ça reste entre nous sans prise de tête. On va essayer de le faire un peu mieux en termes d'élire le gagnant que la dernière fois. Mais voilà, donc le thème, jeu d'ombre. Je le répète, je le réécrirai de toute façon dans la description. Je le répéterai peut-être d'ici la fin de la vidéo. Donc les modalités, vous m'envoyez votre photo, une par personne. Si vous en avez plusieurs, soit j'en prends aucune. Soit je choisirai moi-même une des deux ou trois, et dans ce cas-là, je ne vous garantis pas que ce soit la meilleure et que ça, vous allez peut-être passer à côté de la photo qui aurait gagné. Ça, c'est votre problème. Moi, j'en veux qu'une par personne. Je veux que dans votre photo, vous mettiez quelque chose qui vous permet de vous identifier, du style idéalement nom, prénom, et peut-être le titre, jeu d'ombre de l'arbre à tel endroit, j'en sais rien, .jpeg, vous faites ce que vous voulez. Mettez quand même moi le nom sur votre photo, que je sache vous identifier. Votre nom, votre surnom, de façon à ce que si je reviens vers vous, vous sachiez que c'est vous que je parle, et si je dis c'est Duchemol qui a gagné, bah vous saviez que Duchemol c'est vous. Si vous m'avez mis un code à la con, justement pour pas donner votre nom, et vous rappelez plus que vous avez nommé votre photo comme ça, vous n'arriverez pas à savoir que c'est vous qui avez gagné. Donc voilà, essayez la plupart d'entre vous, mettez votre nom, votre prénom. Il n'y a pas grand-chose de toute façon quand je vais afficher les photos. Je ne mettrai pas vos noms, sauf dans la restitution finale. Maintenant, sur la façon d'élire le gagnant. Donc cette fois-ci, on va faire différemment et je vais même faire un appel au peuple. Ce que je vais faire, c'est que je voudrais que 5 d'entre vous se portent volontaires pour constituer le jury. Alors bien évidemment, ces 5-là, ils vont pas participer. On peut pas tout avoir. Voilà, c'est donc ceux qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps de participer, de prendre une photo, de participer au concours, mais qui ont bien envie de participer en tant que jury. Signalez-moi-le en commentaire. Dites-moi, je veux bien être le jury. Sachant que le fait d'être jury, moi ce que j'aimerais en tête, alors on verra, sauf à ce qu'aucun d'entre vous soit d'accord, moi ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez juger les photos et peut-être me faire un petit retour en vidéo que je pourrais participer dans l'épisode retour où vous expliquez, par exemple, je pense que par exemple, je vous demandais de me faire le tiercé gagnant pour chacun d'entre vous. Et donc venir me faire une petite vidéo devant la caméra pour m'expliquer que vous avez choisi là en troisième position celle-ci parce que vous aimez bien si ça, en deuxième position celle-ci, et celle-là pour vous qui était la gagnante parce que si ça. Et après 5 personnes, moi je voterai pas. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc ce sont vous qui serez les jurés qui voterez, et derrière, ben, ça sera, on fera le total des votes, et c'est la photo qui a le plus de votes qui aura gagné, tout bêtement. Pour faire ça, ben, ce que je ferai, c'est que je mettrai à disposition du jury une galerie photo avec les photos anonymisées, hein, ce que j'avais déjà fait la dernière fois, je ne mettrai pas les noms des personnes, histoire qu'ils ne soient pas influencés, et chacun dira, ben, moi je mets en position 3 la 15, en position 2 la 25, en position 1 la 55, voilà, ce genre de choses, donc voilà, on va faire en sorte d'anonymiser ce genre de choses. Donc si vraiment vous avez envie de participer en tant que membre du jury, j'espère que j'aurai 5 candidats qui seront prêts à participer au jury et pas à participer au concours, bien évidemment,
et être d'accord pour m'envoyer une petite vidéo courte, hein, juste pour expliquer un petit peu vos choix. Et je pense dans la vidéo de restitution, ben, je vous dirai moi peut-être aussi mon avis. Je ne suis pas sûr que je fasse une revue cette fois-ci, mais j'aimerais bien qu'on échange autour des avis du jury, autour de ben, peut-être qu'il y a, chacun va peut-être étayer et argumenter sur une photo qui ne sera pas celle qui a gagné. Mais ça permet d'avoir plusieurs avis. Donc si vous êtes d'accord pour me suivre sur cette façon de faire là, donc je vous dis tout de suite, vous pouvez m'envoyer vos photos. Donc sur le lien qui est en description, toujours pareil comme d'habitude pour m'envoyer votre photo, une par personne, avec votre nom dans le titre, ce genre de choses, en bonne qualité, qu'on puisse un petit peu zoomer dedans, ce genre de choses. Le thème, jeu d'ombre. Voilà, si vous avez jusqu'au, je vous marque la date là, jusqu'à la date par laquelle que vous m'envoyez votre photo pour participer au concours. Donc ça c'est pour les participants. Pour maintenant ceux qui veulent être membres du jury, donc j'espère que j'en aurai 5 qui sont prêts à jouer le jeu jusqu'au bout, notamment à faire ce petit bout de vidéo, bah, signalez-vous en commentaire, au pire écrivez-moi un mail, ce genre de choses. Si j'en ai plus, bah écoutez, je serai obligé de faire un choix, je suis désolé forcément, si j'en ai 7, 8, 10 qui sont candidats, bah, je serai obligé d'en prendre 5. Bon voilà, c'est pas, ça exclut rien, peut-être que si ce modèle-là fonctionne et que le prochain concours, eh bien, on tournera, ça sera d'autres qui seront les jurys, j'espère déjà que j'en aurai 5, ou sinon bah, j'en garderai 3, et si j'ai personne, eh bien, on verra. On verra. Je pars sur ce principe-là, normalement ça devrait fonctionner, on ne devrait plus avoir de problème où tout le monde vote, où on fait participer la famille, les copains, la communauté. Là, ça sera ces 5 jurys qui vont voter pour l'ensemble des photos, j'espère qu'il y en aura beaucoup, la dernière fois j'en avais eu une centaine, même plus, je crois. Bon là c'est un peu l'été donc je pense qu'il y aura un peu moins de participants, mais bon c'est pas grave, ça fait d'autant plus de chances de gagner, je vous rappelle, ce trépied, voilà. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, clic, la cloche, ce genre de choses. Voilà, le Tipeee, n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir. Voilà, merci de m'avoir suivi, dans tous les cas, bonnes vacances pour ceux qui sont en bonnes vacances, et à bientôt les vacances pour les autres, moi je suis toujours pas en vacances. Voilà, merci, au revoir.